Alors, bonjour. J'ai pu jouir d'une vie extrêmement agréable où il s'est passé nombre de choses remarquables, parmi lesquelles l'écriture de plusieurs livres. Pour commencer au début, je suis née dans une famille d'artistes et j'ai baigné dans un milieu artistique pendant toute ma jeunesse, ce qui était vraiment très enrichissant. Quand on veut dire artiste, on peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut parler, souvent dans le langage commun, on va parler de gens qui vont faire de la performance artistique, qui vont chanter du théâtre, et ainsi de suite, des gens qui sont connus, en somme. Les artistes de ma jeunesse étaient d'une sorte qu'on ne voyait vraiment pas beaucoup dans les médias. C'était les gens qui faisaient de l'art. Alors, mon père était compositeur de musique. Il a fait de la musique d'opéra, des symphonies, mais aussi beaucoup de musique de film et aussi de bandes sonores pour des films, de recherche de bruitage et ainsi de suite pour l'Office national du film. Ma mère était scénariste. Dans les amis de notre famille, on avait des peintres comme Jean-Paul Lemieux, qui venait de Québec comme mes parents, ou encore Fernand Toupin. On avait des cinéastes comme Norman McLaren, qui a collaboré beaucoup avec mon père, comme Bretislav Poyar, cinéaste d'animation. On avait des gens comme ça qui venaient et qui étaient des créateurs. Et l'état d'esprit de quelqu'un qui crée dans un domaine artistique, comme dans d'autres domaines, je pense, par exemple, dans le domaine scientifique ou dans le domaine informatique, ça fait un certain état d'esprit qui baigne la maison d'une sorte de silence. Parce qu'il faut que les gens puissent se recueillir, se concentrer pour pouvoir faire quelque chose. Et le produit va être distribué au reste du monde, en somme. Je me rappelle, j'ai appris des valeurs de cette communauté artistique auprès de mes parents, qui pourraient paraître peut-être un peu étonnantes, mais qui étaient vraiment les choses du temps. Par exemple, je me souviens qu'une fois à la télévision, il y avait un téléthon et les gens téléphonaient pour donner de l'argent. Et j'ai dit à mon père disait, ah, oh, c'est formidable, c'est chouette. Et je dis, bon, pourquoi tu ne téléphones pas pour donner de l'argent? Il m'avait répondu, non, non, moi, ce que j'offre à la société, c'est mon art. Déjà, je suis au service de la société. Alors, je n'ai pas besoin de donner de l'argent en plus de ce que je donne. Alors, il se voyait comme quelqu'un qui avait une vocation de donner quelque chose au monde par son travail. Ou encore ma mère qui me poussait à faire des demandes de bourse auprès du Conseil des arts du Canada pour mes livres. Et je lui disais, écoute, j'ai de quoi manger et j'ai un toit au-dessus de ma tête. J'ai pas, mes besoins ordinaires sont déjà couverts. Pourquoi est-ce que j'irais demander de l'argent de plus au gouvernement? Et sa réponse était, tu le fais parce que ça te donne ton prestige. Ce n'est pas une question d'avoir une nécessité absolue pour l'argent, c'est une question du fait que tu t'affirmes ainsi en tant que personne qui a les capacités qui fait un travail suffisamment valable pour aller chercher de l'argent auprès du gouvernement pour servir la société. C'est comme ça que je ne dis pas que je partage ces valeurs-là, mais je dis qu'elles m'ont habité quand j'étais jeune. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de mission. Et comme je me suis retrouvée adolescente à commencer à écrire, j'inventais des histoires depuis que j'étais enfant. J'ai commencé à les écrire quand j'avais 13, 14, 15 ans. Et que ma mère a dit, ah, c'est bon, elle a tapé un de mes textes à la machine elle-même, je ne lui ai rien demandé, et elle l'a envoyé à Radio-Canada, et j'ai gagné un concours des jeunes auteurs de Radio-Canada, qui était une grosse affaire à l'époque. On était reçus, c'était une émission, il y avait très peu de canaux à la télévision, alors le Québec entier regardait le concours des jeunes auteurs, et puis voilà, mon œuvre a été présentée avec d'autres. Après ça, je me suis dit, bon, j'ai un talent, je dois le faire fructifier.
mes souvenirs catholiques remontaient à la surface. Alors donc, dans ma vie, je vais essayer de m'arranger pour écrire au moins quelques nouvelles ou faire publier un livre ou deux, en somme, puisque j'ai gagné ce prix-là. Quand j'étais adolescente, pour moi, les livres que j'aimais étaient des livres qui n'étaient pas étudiés à l'école. Alors, d'une part, à la maison, on achetait des livres. Mes parents allaient dans les librairies. Bon, on était des gens qui achetaient des revues et des livres et tout ça. Et c'était la grande époque française où, avec la revue Planète et la découverte par les Français à la fois des choses ésotériques qui sont bonnes ou mauvaises, mais aussi d'auteurs américains, dont Lovecraft. D'autre part, j'avais une compagne de classe qui était brillante et qui, toutes les deux, on mettait un point d'honneur à lire ou écrire de la science-fiction ou des romans de détective pendant les cours et à être bonne à l'examen quand même. Alors, c'était le plaisir de pouvoir faire deux choses en même temps sans se faire prendre. Et c'est elle qui m'a fait découvrir l'anglais. Elle m'a dit, Esther, ce qui se publie en français, en général, c'est pas si bon que ça, et ça coûte 3 fois plus cher que ce qui se publie en anglais. Il faut que tu. Alors, elle me passait des livres, et puis, au début, c'était vraiment, il me fallait que je déchiffre le texte, hein, vraiment. Mais j'ai pris goût et j'ai appris à lire l'anglais grâce à Manuela Adrian, mon ancienne compagne de classe, avec laquelle je suis encore en contact d'ailleurs de nos jours. Et j'ai commencé ça, et ensuite venait le défi quand j'étais jeune adulte, plusieurs années plus tard, on fait, bon, jeune adulte, étudiante en mathématiques à l'Université de Montréal et tout ça, le défi de faire publier un manuscrit que j'aurais rédigé. On pourrait dire, quand on regarde l'ensemble de mon œuvre, je dirais que ça a la forme d'un champ avec des arbres et des buissons. Alors, il y a un gros arbre qui serait ce qu'on appelle le cycle de Vrenalik. Alors, il y a l'histoire d'Anar Vrenengal et de Jusqu'iliant Green, là, qui s'appelle maintenant, sous sa mouture la plus récente, L'Aigle des Profondeurs. Il y a Le Rêveur dans la Citadelle. Il y a une sorte de tronc qui serait l'archipel noir, qui est l'histoire de Taïum Sutherland et de la statue de Hestlen, qui est vraiment la première chose que j'avais inventée dans cette structure. Et ensuite, il y a La Dragonne de l'Aurore, qui est une utopie bouddhiste, où est-ce que ce monde que j'ai inventé va tout d'un coup connaître de nouveaux développements pour le mieux et qu'une société qui fonctionne bien, ce genre d'idéal-là qui est propre au bouddhisme, en somme, qui se retrouve ailleurs aussi, mais où je me suis vraiment fondée sur ce que j'avais étudié, en somme, c'est ce que j'avais vécu aussi pour décrire cette société-là. Et il y a une sorte d'autre, ça serait comme un premier étage de l'arbre et un autre étage de l'arbre qui serait les chroniques infernales que j'ai écrites par la suite, où on continue encore dans on pourrait dire, les choses à assonance bouddhiste, et là on est plutôt dans la loi du karma et la cause et l'effet et les erreurs qu'il faut expier, en somme, et ainsi de suite. Mais en même temps, on a le même personnage de Taïum Sutherland qui est arrivé dans l'archipel noir, qui va se retrouver tôt ou tard dans les Chroniques infernales, les 6 volumes des Chroniques infernales. Et donc, ça, c'est le gros arbre au milieu de mon champ. À ce moment-là, à part ça, il y a quelques buissons qui seraient des romans qui tiennent par eux-mêmes, comme Coquillages, comme La rivière des morts, et quelques ouvrages pour la jeunesse aussi. Et puis, il y a des herbes, des herbages, des fleurs, et ça, c'est les nouvelles qui ont pu se faire à gauche et à droite. Alors, ça donne un paysage assez fourni et varié, qui ne me déplaît pas, en somme. Et donc, j'avais commencé à construire mon arbre à l'époque. Il y a aussi quelques petites brindilles si des gens me demandaient, aurais-tu une nouvelle et tout ça. Une date charnière pour moi. Ça a été. Les années 70 ont été des années très importantes. En 1970, je me suis mariée et on est allé faire un voyage de noces en Europe
en arrêtant en Allemagne, à Heidelberg, où se trouvait la science-fiction, le congrès mondial de science-fiction cette année-là. Et le gratin de la science-fiction américaine s'était déplacé pour l'occasion. C'est ainsi que j'ai entendu l'éditeur de Analogue, dont j'étais abonnée à cette revue Analogue aux États-Unis, parler de dire qu'il fallait donner au public ce que le public voulait. Je me souviens, ça m'avait marqué parce que je me suis élevée contre cela par la suite dans des revues comme Imagine ou dans des échanges que j'ai pu avoir avec Jacques Brossard. On se disait qu'il faudrait une littérature universelle qui ne soit pas spécifique. Un bon livre, c'est un bon livre. Il faudrait que tout soit accessible à tout le monde. Mais le brave John W., qui était controversé, mais célèbre pour son caractère, avait dit « Non, non, le public achète. » Et s'il veut manger un sandwich au poulet, il faut qu'on lui fournisse un sandwich au poulet, quand bien même on trouve qu'un sandwich au jambon serait meilleur. Alors, bon, le gros bon sens américain qui entrait en scène, en somme, d'une certaine façon. J'ai pu échanger avec Robert Silverberg, avec Avram Davidson, je pense, c'était là, John Brunner. Enfin, vraiment, on était un petit congrès avec une brochette de célébrités. Et là, j'avais déjà Le rêveur dans la citadelle qui était écrit. Je l'ai donné à quelqu'un qui s'est présenté comme un agent littéraire, mais ça n'a pas eu de suite. Ça a pu être récupéré par la suite, mais ça n'a pas eu de suite. Par contre, en 1973, là, j'avais « En hommage aux araignées », devenu par la suite « L'aigle des profondeurs », qui était prêt. Et j'ai pu être une des finalistes d'un concours des éditions de l'Actuel, qui était une filiale de Sogides. Et ils se sont engagés à le publier. Et donc, ça a été le point d'entrée. Donc, mon premier éditeur était Jean-Guy Pilon. Et le manuscrit a été révisé par Robert Marteau, qui était un écrivain français vivant au Québec à l'époque. C'était vraiment des relations professionnelles avec ces gens-là. Je n'avais pas l'impression d'avoir rencontré mes genres de littérature ou de science-fiction. Par contre, dès 1971, j'étais allée à Boston, au Congrès mondial, et là, j'avais rencontré Pierre Fournier, le dessinateur de Capitaine Québec. Et lui, il m'a dit, je connais quelqu'un à Montréal qui est pas allé, qui a échappé aux États-Unis pour ne pas aller à la guerre de Vietnam et qui est un gros collectionneur de science-fiction. Il faut absolument que tu le rencontres. Et ça, c'était Bruce Robbins, qui était un monsieur qui habitait un logement de célibataire où les armoires de la cuisine étaient pleines de livres et la chambre des invités était remplie de caisses de livres du plancher au plafond et qui faisait les congrès de science-fiction. J'ai traîné dans son sillage pendant un bout de temps parce que c'était trop amusant. Dans un congrès, c'est très agréable pour quelqu'un comme moi de m'asseoir derrière la table d'un exposant puis de regarder les gens passer. Puis avec Bruce, j'avais non seulement le fait que j'avais une bonne chaise, mais en plus qu'après chaque personne, il me faisait son commentaire, il connaissait tout sur tout le monde. Alors les commentaires acerbes, c'était vraiment très rigolo. Et puis en plus, il venait chez nous. C'était une sorte d'ami de la famille qui venait chez nous quand nos enfants étaient petits et ainsi de suite. On le voyait aux 2 ou 3 semaines. Donc, ça a été mon premier vrai contact avec la science-fiction qui pouvait exister au Québec, mais uniquement en anglais. En 1973, je suis allée au Congrès mondial qui, cette fois-là, avait lieu à Toronto. J'avais ma fille Viviane dans mes bras, elle avait 3 mois. Et c'est là que j'ai rencontré une autre personne qui est devenue très importante par la suite, qui était Norbert Spinner, et qui m'a dit « Ah, tiens, tu as un livre, mon livre allait être publié, En hommage aux araignées allait être publié. » Il m'a dit « Ah, oh, waouh, moi je sors une revue, Requiem, on va faire une critique de ton livre. » Et aussi, j'ai commencé à faire des petites collaborations pour cette revue-là, qui était la première revue de science-fiction québécoise. Et ensuite, quelques années plus tard, au Café du Port, dans le Vieux-Montréal, on se réunissait, les gens de science-fiction, une fois par mois, et j'y allais. Et c'est là que j'ai rencontré Jean-Marc Gouanvic, qui un soir me dit, là on est rendu à peu près à 77-78, il me dit, je veux te reconduire chez toi, j'habite pas loin. Et il arrête la voiture un peu avant chez moi, puis il dit, je veux commencer une revue, est-ce que tu serais partante? Et ça, c'était la revue Imagine.
Et donc, Jean-Marc, c'est avec lui que j'ai travaillé le plus sur... Avec Norbert Spener, c'était des collaborations de temps en temps. Et bien sûr, le format de Requiem devenu Solaris était trop petit pour accommoder beaucoup de nouvelles ou beaucoup de textes longs. Jean-Marc, au contraire, voulait publier du long. Alors, il s'est tapé de dactylographier lui-même le début de l'épuisement du soleil, toute la partie, justement, qui s'appelle maintenant l'archipel noir. Il publiait ça par tranche. Alors, j'avais de 50 pages de Stéphane Rochon qui sortaient à chaque numéro de Imagine, j'étais comblée. Et puis, quand il a eu fini de faire un peu de ça, là, il s'était Esther, sors-moi un 30 pages ou un 40 pages pour dans 2 mois ou dans 3 mois. J'ai beaucoup appris le métier à ce moment-là. On n'était pas payé, mais on fournissait et on voyait que c'était distribué. C'était très excitant. Avec Claudomir Sauvé, au début, on était simplement tous les trois à faire la revue. Le numéro 1, je pense que c'est nous trois qui l'avons écrit. C'était quelque chose. Ensuite, le numéro 2, c'est Claudomir qui a fait la couverture. Le numéro 3, c'est moi qui ai dessiné la couverture. Je veux dire, ça commençait vraiment très, très petit. Et ça a créé des liens très, très chouettes, en somme. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Claudomir est parti peu de temps, au bout d'un an ou deux. Moi, je suis partie un peu plus tard. Mais ça a quand même été quelque chose... Quand je disais que j'ai eu une vie avec des choses passionnantes, oui, absolument. En somme, Imagine a commencé, je pense, en 79, quelque chose comme ça. Et en même temps, le bouddhisme arrivait par un autre bout de chemin dans ma vie, du genre, je cherchais un sens à ma vie et je le trouvais dans ces écrits-là, puis je voulais rencontrer des gens et tout, mais jusqu'à quel point j'allais m'engager. Alors, j'ai vécu la décennie 70, pour moi, ça a été complètement remarquable, tout à fait chaotique, mais remarquable. Et je suis sortie de là en 80 en devenant bouddhiste et en commençant à sentir où était ma place dans le monde littéraire. J'étais bonne en maths. J'ai commencé par être nulle en mathématiques au primaire. Et puis, quand on a commencé la géométrie au secondaire, là, j'ai trouvé ça génial. Les triangles qui sont égaux à d'autres triangles, les cas d'égalité des triangles et tout ça, je trouvais ça passionnant. Et mes professeurs, j'allais à une école française, le Collège Marie de France, mes professeurs avaient des valeurs de pousser au maximum les élèves. Le cours français à l'époque, c'était vraiment... Et alors, du genre, on sait que vous êtes intelligente, donc on va vous montrer vous demander le maximum. Et le maximum dans les classes supérieures, c'était de faire à la fois pas beaucoup de sciences et beaucoup de littérature. Alors j'ai fait du latin, du grec et des mathématiques poussées, en somme. Et je répondais à ça, mais... Bon, je n'étais pas une fan du bourrage de crâne, mais quand même. Mais c'est comme ça qu'ensuite, je me suis dit, pourquoi pas? Pour moi, la littérature, c'était un loisir. C'était quelque chose, un lieu de liberté. L'idée d'aller étudier ça avec des notes encore, des examens, ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout. Le milieu de science-fiction est souvent un milieu de gens qui ont une formation scientifique et qui n'ont pas étudié la littérature. Alors, je m'inscris là-dedans, en somme. J'ai eu 2 enfants, ma fille née en 73, mon fils né en 75. Ils étaient donc assez rapprochés, moins de 2 ans de différence. Après la naissance de mon fils, là, ça faisait déjà 2 ans que je dormais pas beaucoup avec ma fille et avec lui en plus. J'ai eu un moment où vraiment j'ai passé 6 mois où mon père a eu peur que je devienne schizophrène. Je manquais chroniquement de sommeil depuis des années. Ça m'a rattrapée. Et moi, j'ai vécu ça comme une sorte de moment où je comprenais le sens du monde, entre guillemets. C'était très intéressant. Et je me rendais compte que j'étais dans une zone interdite, que ça ne ressemblait pas à ce que les autres vivaient. Alors, j'essayais de dissimuler le plus possible ce qui se passait en dedans de moi. Mais en même temps, je me disais, il doit y avoir quelque chose qui fait du sens. J'ai l'impression d'être dans un monde de conventions, de choses qui vont de soi, et je ne m'y retrouve plus du tout. Et je suis sûre qu'il y a une solution à ça. Alors, en même temps, j'avais aucun revenu, mais mon mari me payait toutes mes dépenses. Il respectait beaucoup le fait que j'étais
à la maison avec deux enfants, je pouvais aller m'acheter des livres. Alors, je me suis dit, bon, je suis née catholique, je vais lire Saint-Jean de la Croix, je vais lire des mystiques, peut-être que c'est là que je vais comprendre c'est quoi ce bidule. Puis non, supposer que Dieu est là en partant, non, je voudrais un peu plus d'argumentaire ou bien on oublie ça. Alors là, j'ai regardé l'hindouisme et puis ça avait l'air compliqué. De contacter des gens. Puis tout d'un coup, dans une librairie, j'ai vu un livre qui s'appelait en anglais « The Myth of Freedom », le mythe de la liberté. Je me suis dit « Ah, c'est marrant, j'aime bien ce titre-là, ça me plaît ». Et en même temps, par l'hindouisme, j'avais fait venir un livre qui s'appelait « Jewel Ornament of Liberation », qui est un des grands classiques écrit au Moyen-Âge par un maître qui s'appelle Gampopa. Et j'avais trouvé dans une autre librairie un livre écrit par un grand maître des temps anciens qui s'appelle Padmasambhava, où il expliquait la nature de la réalité. Et tout ça, mis bout à bout, je me suis dit, c'est ma place. Voilà. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas, et je tiens à ce que ça reste une œuvre généraliste. Ça m'est arrivé de faire des présentations dans des écoles ou dans des salons du livre. Je ne mentionne pas le bouddhisme. Le bouddhisme est dans mon CV, mais j'en parle pas. Je vais jamais utiliser, que ce soit mes livres ou que ce soit mes présentations, pour essayer de faire du missionnariat. Par contre, ça va nourrir l'œuvre. J'ai mis de l'autobiographie partout. J'en ai glissé partout. Des fois, je me dis, oh non, j'étonne. Des fois, je fais une passe totalement, par exemple, dans l'âme. C'est mon amie Manuela qui, tout d'un coup, me sort et dit, ah, je reconnais ça, c'était le prof à l'école. Puis, oui, oui, effectivement, j'ai transmis. Oui. C'est quand il remonte à la surface dans les mondes. Ah, écoute, je ne vais pas commencer à te donner mes clés. la manière dont je le sens, c'est que c'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher de me poser des défis à chaque œuvre. Et avec les premiers, avec le Vrenalik, c'était le défi apprendre à écrire un roman, apprendre à faire des niveaux de lecture de roman. Ça, c'est surtout dans L'Archipel Noir que je me suis exercée à le faire plus ou moins bien, mais c'était vraiment un des buts que je voulais faire. Et là, ensuite, avec Coquillage, le truc, c'était bon. Ah oui, c'est Coquillage, en fait, a des racines bouddhistes évidentes. C'est tellement drôle. C'est que il y avait des... Quand on entre vraiment formellement dans le bouddhisme, on doit prendre certains vœux. J'avais réussi à prendre un des... c'est ça. Et ces vœux-là, à l'époque, vœux de refuge, vœux de bodhisattva, se donnaient pratiquement uniquement à l'extérieur de Montréal. J'avais pas un chou. J'avais rencontré au centre, à Montréal, quelqu'un, un éminent monsieur qui s'appelait John Roper, qui était un proche du maître en question et qui était complètement sauté, comme il y en avait beaucoup à l'époque, grandiose. Et je lui ai dit, ça me ferait plaisir de m'engager, mais je n'ai pas un sou. Et alors, il me répond, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je lui dis, je suis écrivain. Il dit, écrivez un best-seller. Alors, ça a commencé comme ça, Coquillage. Alors, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, un best-seller, il faut mettre du sexe. Et ensuite, je me suis dit, le best-seller au Québec, oublie ça, mais je vais aller demander une bourse du Conseil des arts. Alors, ça a été ma première bourse que j'ai eue, parce que j'avais déjà un livre de publié. Bon. Alors, j'ai mis le sexe, et je me suis dit, je vais peut-être publier ça sous pseudonyme, parce que franchement, si mes tantes qui habitent à Québec lisent ça, là, je sais que ma mère leur a préparé le terrain et s'est arrangée pour qu'elles ne le lisent pas. Elle a fait un excellent travail de passe-passe pour Coquillage. Mais ensuite, bon, je me suis calmée le pompon, j'ai fait mon Coquillage et je suis bien contente, tout en me disant, hey, j'ai écrit ça. Hein. Mais ensuite, j'ai continué, puis tout d'un coup, dans un gros programme bouddhiste qui s'appelle un datun, où on passe un mois à méditer en silence, plusieurs heures par jour, et je faisais partie du personnel, et j'étais rentrée là-dedans en me disant, je fais partie du personnel, personne ne va me demander si je médite ou non. Alors, c'était exact. Alors, j'étais assise là, mais je rêvassais. Puis là, j'ai commencé à partir les fantasmes de l'âme avec les enfers mous et tout ça.
en ayant l'air de rien. Je trouvais ça complètement rigolo. Puis je me dis, ouais, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a de la matière là-dedans. Alors, j'ai fait L'âme, qui était mon deuxième livre après Coquillage, qui était dans le mollachu, en somme, dans le bizarre, avec connotation sexuelle, en me disant, chiche, Esther, que tu vas raconter des trucs pareils. Oui, on assure. Et puis ensuite, je me suis calmée un peu avec Aboli, Ouverture, j'ai moins de ça, Secret. Mais là, tout d'un coup, dans Or, là, j'ai ressorti le truc. Il y a eu cet ordre-là, mais j'ai l'impression que ça me prend de temps en temps de me dire, bon, on va s'amuser, on va voir si je suis capable de faire ça. Avec l'âge, je me suis rendu compte que oui, je pouvais le faire, puis ça m'amuse moins, mais voilà. Je me disais, c'est vraiment difficile d'écrire un livre. Tout d'un coup, je trouvais ça difficile, alors que plus jeune, je passais au travers. C'est difficile dans le sens où il faut maintenir de front toutes sortes de détails qu'il va falloir peaufiner. Alors, je me suis dit, bon, je ne sais pas si j'en fais d'autres, alors j'essaie de clore des choses, de parler justement de certains éléments de ma jeunesse à Ville-Mont-Royal où c'est jamais très clair si on est en... si on s'entend bien ou mal, la distance qu'on met avec nos parents. Dans mon cas, ça a toujours été quelque chose qui était non discuté. Alors, par certains aspects, c'est sûr que j'étais en porte-à-faux avec eux, surtout à l'adolescence, comme c'est souvent le cas. Par d'autres aspects, c'est sûr que c'est mes parents, puis on se ressemble, puis on s'entend bien, en somme. Alors, tout ça paraît un peu dans La rivière des morts. J'espère pouvoir écrire encore, mais j'ai aucune garantie. Donc, c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. J'ai quelques pages de notes, mais voilà. Ça a été très difficile pour moi de commencer à me faire publier, que ce soit ici ou en Europe. Alors, j'essayais à plusieurs endroits. J'avais laissé Rêveur dans la citadelle en 70 à un agent littéraire qui est allé le porter, je ne me souviens plus chez quel éditeur en France, mais ça n'a pas marché, c'est resté là. Mais tout d'un coup, il en a donné une autre copie en Allemagne. C'est comme ça que le Rêveur dans la citadelle a paru en traduction allemande. Ça datait de tractation de 1970. À part ça, en 1978, j'étais allée au congrès de science-fiction de Yverdon. Pierre Versin était là et tout ça, Bruce Robbins était là, Jean-Marc Goinvic, Elisabeth von Arbour, enfin bref. Et là, j'avais rencontré un éditeur qui me semblait une espèce de révolutionnaire poilu suisse qui s'appelait Rolf Kesselring et qui publiait de la science-fiction avec des belles éditions. Alors, je lui avais dit, est-ce que vous me feriez je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, il y a eu tellement de moutures, c'était l'épuisement du soleil. Alors, il dit, envoie-moi le manuscrit. Et il a dit, oui, je le publie. Il m'a envoyé les épreuves à corriger et j'ai vu la maquette de couverture. Et il a fait faillite. Et ça a été une chance parce que s'il avait publié, alors là, l'œuvre aurait été prise, les droits de l'œuvre auraient été pognés dans la faillite, puis ça aurait été difficile de sortir ça. Il aurait fallu faire du piratage en espérant que personne ne s'en rende compte. Mais la couverture de l'archipel noir, qui est quelque part dans le fond là, j'avais donné mes spécifications, c'est une reprise de la couverture que Rolf Kesselring avait fait faire. Mais ça a été une malchance. Donc, c'est pour ça que... Puis ici, j'essayais aussi, avec toujours des choses, des lettres où il disait... Ou des fois, il n'y avait même pas de lettres, il fallait téléphoner un an plus tard à l'éditeur, puis il disait, envoyez-nous 10 $, puis on va vous renvoyer votre manuscrit, il ne nous intéresse pas, c'est à peu près ça. Et là, de guerre là, je l'ai envoyé à Norbert Spener et au Préambule, puis c'est comme ça que lui, il l'a accepté. Entre-temps, il avait commencé sa collection, ça. J'ai lu dans les textes qui étaient publiés là, sur Internet, sur la genèse des chroniques infernales, il me semble, que ton fils Olivier était un bon lecteur. Il lisait généralement tes manuscrits avant publication. Oh non, pas du tout. Personne ne fait ça. Ah, sauf l'éditeur. Ah oui. Non, je ne parle pas de mes livres quand je les écris. Et j'en parle pas dans la famille, je parle pas du titre ou ce genre de choses. Ça va, une fois que la chose a l'air à peu près prête, ça s'en va, mettons, chez Jean Petitgrou, depuis des années, c'est ça.
Et puis ensuite, quand il donne son OK, puis à ce moment-là, je peux donner le titre. Et puis ensuite, quand le livre est là, ben, je reçois la caisse de livres, puis je la distribue. Mais, OK, donc ton fils lisait les livres après publication. Oui, voilà. Là, tu faisais ses commentaires et tout ça, quoi. Oui, absolument. Il s'intéressait beaucoup à ton œuvre. Est-ce qu'il y a une influence sur... Tout le monde a eu une influence, puis personne n'en a eu, tu sais, c'est... Non, je pense que il y a deux choses, si tu veux. Il y a deux anecdotes, c'est quand il était en crise psychotique, une fois, il voulait se jeter dans un gouffre du métro, là, dans un des creux, puis il a jeté un de mes livres à la place, puis je lui ai dit, t'as bien fait. Évidemment, j'aime autant ça comme ça. Et puis, par contre, il bad tripait, il prenait très mal des affaires qu'il pouvait avoir dans l'âme, tout ça, et il voulait me faire des reproches comme quoi j'osais écrire des trucs palais. Et puis, par contre, des années plus tard, c'est. Bon, je pense que. En plus, aussi, tout d'un coup, il y a un personnage qui est psychotique dans Secret, je pense. J'en avais un à la maison, alors je savais comment ça marche. Alors, c'est pas. C'est, ça va pas. Mais est-ce qu'il se sentait floué ou quoi, ou trahi, ou. Là, vraiment, on va chercher là, comment est-ce que quelqu'un qui souffre d'une maladie peut réagir. Non, je pense qu'il y avait quelque chose de très, très lourd pour lui dans le fait que sa maman est quelqu'un qui peut écrire des scènes sexuelles explicites et de la violence et tout ça. Je pense d'une certaine façon c'est difficile et je pouvais le comprendre parce que nos parents, on les voit d'une certaine façon comme une figure maternelle ou paternelle, puis c'est naturel, puis j'ai fait ça. Mais là, tout d'un coup, il arrivait à l'âge adulte, poqué ou non, et puis il se disait, oups, maman a fait... Pratiquement, c'est comme s'il avait découvert que j'étais danseuse nue ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'était comme ça que sa réaction, oui. Pourquoi qu'il y a une lumière, malgré ce qu'on disait tantôt, malgré ce qu'on pourrait croire que... C'est une société décadente, où ça peut être déprimant. C'est pas déprimant parce qu'il y a une lumière, cette lumière-là, je pense qu'elle est due au fait qu'il n'y a aucun cynisme dans ton approche. Les choses sont pas claires, mais il n'y a pas de cynisme qui fait qu'il y a toujours finalement de l'espoir dans quelle que soit la situation décrite dans les chroniques infernales notamment. Alors c'est ça qu'en tout cas je voulais ajouter. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, puis je pense que c'est vraiment la vision bouddhiste du monde. Elle existe ailleurs aussi, là. Oui. Mais ça, c'est vraiment la bonté fondamentale. T'sais, tous les êtres sont fondamentalement bons. Et les situations ont une bonté, les sociétés peuvent avoir une bonté fondamentale. Alors, il s'agit justement de ne pas laisser tomber, de ne pas prendre. De ne pas se décider que quelque chose, il n'y a rien à tirer de ça, ou de que quelqu'un, il n'y a rien à tirer de cette personne-là. Et ça, pour moi, ça rejoint quelque chose qui est comme, qui a toujours été, ben, je ne veux pas me vanter, mais qui a quand même été quelque chose que je comprenais intuitivement assez bien, parce que je ne me suis pas ramassée trop devant des gens qui m'auraient vraiment fait penser le contraire. En somme, j'ai eu cette chance-là. Et donc, oui, c'était quelque chose, une valeur que j'avais. Que j'aime transmettre quand j'écris, c'est qu'on va voir. Quoi que dans La rivière des morts, le méchant T.B. Jeanne, lui, je voulais le mettre, je me disais, là, je vais mettre un vrai méchant quand même, j'en ai jamais lu, on va s'en faire serrer, tu sais, mais c'était l'exception qui justifie la règle. Je me souviens qu'à un moment donné, quand j'ai su que tu étudiais le bouddhisme, tout ça, bon, j'étais réticent à en parler un peu quand je faisais de la critique de tes livres parce que je me disais, bon, c'est pas, d'abord, c'est pas des livres qui sont des prosélytes, là, tu sais, il n'y a pas de prosélytisme dans ton œuvre. Mais en même temps, je me disais, bon, c'est sûr que est-ce que ça explique tout le bouddhisme? Je pense pas, dans le sens que l'œuvre se suffit même si on ne connaît pas le bouddhisme. Je ne sais pas comment toi tu revendiques quand même, je pense, ton appartenance à cette pensée-là. Mm-hmm, mm-hmm. Tu ne la renies pas tout, je veux dire. Non, c'est ça. Mais est-ce que ça t'agace qu'on ramène?
Oh non. Régulièrement, parce que c'est sûr que c'est une clé d'interprétation là, oui, absolument, oui. De ton œuvre. Non, je l'ai plus ou moins voulu. Hein. J'aurais pu garder ça pour moi, j'aurais pu décider que ça faisait partie de la partie personnelle, c'est ma vie personnelle, on ne discute pas de ça, c'est un choix que j'ai fait. Et en particulier, je dirais que en 2015, avec le nombre, maintenant que j'écoute pas mal de Radio-Canada et de radio et de choses comme ça, le nombre de gens qui professent une absence de religion ou de spiritualité en public me fait penser que ça vaut la peine de mettre un contre-pied. Ouais. Parce que ça a toujours été vrai. Je veux dire, ils ont parfaitement le droit d'être là où ils sont, mais s'ils pensent qu'ils n'ont pas plus raison que les autres, dans mon avis. Et puis, en même temps, une partie des idées du bouddhisme est rendue dans le monde qui n'est pas... des gens qui ne veulent pas s'engager dans une voie spirituelle ou religieuse. Et je pense que c'est excellent. Il y a toutes sortes de choses qu'on trouve sur l'Internet, sur la méditation et tout ça, et qui, justement, peuvent être pratiquées par des gens qui n'ont pas l'intention de s'engager plus que simplement se calmer l'esprit, être capable de surmonter le stress, et ainsi de suite. Et je pense que c'est complètement excellent. Alors, il y a eu un mouvement de pénétration d'une certaine... des choses que le bouddhisme a apporté à l'Occident, qui se fait sans spiritualité et sans religion, et qui est simplement des méthodes de comment on travaille avec ses pensées. Et ça, je suis extrêmement contente que ça marche. Et si, tant que le bouddhisme commence à être associé à cet ensemble de valeurs, ça me réjouit, puis je suis contente d'être là-dedans. C'est une œuvre qui est intemporel et qui va traverser le temps pour moi. C'est un classique de la littérature québécoise, j'ai pas de doute là-dessus. Eh bien, on verra si c'est le cas, ou bien on sera plus là pour le voir. Tu vas le savoir dans ton autre vie. Merci beaucoup.